La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les réalités et implications du coronavirus au Bénin, l'impact de l'épidémie sur les secteurs d'activité en raison des mesures prises par le gouvernement devient de plus en plus perceptible. Dans le domaine des transports, par exemple, le COVID-19 et ses conséquences ont laissé un goût amer aux acteurs de ce sous-secteur. Clément Atchadé nous relate le degré d'angoisse de certains responsables de la filière dès le début de ce journal. Et puis, l'heure est grave aux yeux de certains promoteurs d'écoles privées qui souhaitent épargner leurs apprenants de tout risque lié au coronavirus. L'école privée Les Moineaux Bleus, située à Togoudo dans la commune d'Aboumé-Calavi, a fermé ses portes pour les apprenants des classes intermédiaires. Le syndicaliste Anselme Amoussou pense que l'État central devrait faire de même pour l'école béninoise. Nous l'entendrons de vive voix dans un instant. C'est le mois de la femme et elle ne serait passée inaperçue. Plan international Bénin a recentré le débat sur la gente féminine en fin de semaine écoulée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Moment de partage et de réflexion sur les conditions actuelles de la femme et de la fille. Résumé des temps forts à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette information à chaud qui confirme bien la crédibilité de Canal 3 Bénin. Le Bénin a bel et bien enregistré un second cas du coronavirus. Le ministre de la Santé vient de le confirmer, a donc confirmé l'information, désavouant dans le même temps son collègue Alain Auroun, la porte-parole du gouvernement, qui entre-temps avait démenti l'information. À suivre donc le point de presse du ministre de la Santé avec tous les détails y afférents dans nos prochaines éditions, déjà à partir de 22h30. Alors, comme vous le savez, le coronavirus séjourne au Bénin avec ses nombreux impacts sur les différents secteurs d'activité. Le domaine des transports n'est pas épargné, l'économie nationale non plus. Du transport aérien au transport terrestre, les effets du coronavirus se font sentir. Les acteurs éprouvent des difficultés et demandent le soutien des autorités. Le COVID-19 sur la santé des transports, c'est un reportage signé Clément Atchadé. La confirmation du COVID-19 au Bénin annonce sur le plan économique de lourdes conséquences. 48 heures après le premier cas enregistré, voici ce que sont devenues les devantures de quelques compagnies aériennes habituellement inondées de monde. Un silence assourdissant avec des passagers qui se font rares. Le transport aérien béninois vit ses premières heures de difficultés liées à la pandémie. Constat similaire au transport terrestre, mais à la seule différence qu'ici on dénombre des voyageurs qui ne cèdent pas encore à la panique. Nous on n'a pas peur parce qu'on met tout dans la main de Dieu. Et puis on connaît que notre président n'est pas quelqu'un peu. Donc il peut tout nous faire pour dire au ministre de la Santé de ne qu'à nous aider avec ce qui va nous informer. Je n'ai pas peur hein, parce que je sais qu'il y a Dieu là, tout ce qui se passe dans le pays, dans le monde. Sans Dieu, ça n'existe pas. Tous les conseils qu'on nous a donnés, nous allons sur ça. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous protéger. On n'a pas le fond en rien. C'est Dieu qu'on va appeler. Et moi maintenant, là, je voyage pour rentrer chez moi. Mais comment? Je me pose une grande question. Comment je vais traverser toutes ces frontières pour rejoindre mon pays? À partir du moment où déjà, on me fait comprendre que d'abord la Côte d'Ivoire est fermée, je ne sais pas. C'est une réalité, je ne sais pas. Mais par rapport aux dispositions, le conseil que j'ai à donner à tous mes frères africains, c'est de prendre d'abord les mesures préliminaires. Malgré la volonté des sociétés de transport, l'achat des tickets devient de plus en plus rare, comme c'est le cas ici au niveau de cette agence de voyage. Ce conducteur attendait depuis 8 heures, mais jusqu'à 13 heures, difficile de prendre la route d'Abidjan. Les responsables de la société craignent pour leur trésorerie. Ma réaction est très simple, hein. Ça fait que nos passagers, ça diminue. C'est tout à fait normal parce que chacun a peur pour voyager. Une maladie qui est arrivée, on ne sait pas comment se soigner. Où ça, tu peux avoir ça, à quel moment tu peux avoir ça. Donc, c'est dangereux. Bon, par rapport à ça, ça diminue notre affluence. Et pour le moment, c'est là, on tient ça. Mais si le nombre de passagers a diminué, c'est que le chiffre d'affaires va diminuer. C'est ça. Nous, on travaille pour ça. C'est avec les passagers, nous, on travaille. Mais s'il n'y a pas assez de passagers à la gare, ça va diminuer.
Et tout ça là, c'est quoi? C'est parce qu'on a peur de voyager. Et chacun chez lui va dire, il est assis chez lui, on a fermé la frontière. Oh, en réalité, la frontière n'est pas fermée, on circule normalement. Bon, tout ça là aussi est dedans. Mais c'est pas aussi alarmant. Bénin ici, là, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pourtant, les citoyens de la ville de Cotonou se montrent rigoureux en ce qui concerne les mesures de prévention prescrites par le gouvernement. Pour cet artiste béninois, l'État ne doit plus tolérer les allers-retours sauf en cas d'urgence. Ce qui est clair, c'est que par voie aérienne, nous avons plus de risques de contamination. Et aussi, par voie terrestre, j'aimerais demander à l'État béninois de trouver aussi un moyen pour que ceux qui prennent part, entrent dans notre pays par les frontières terrestres, qu'on puisse trouver le moyen de pouvoir réduire le risque de ce virus-là. Il faut que les compagnies aériennes comprennent que avant, ils étaient un moyen de transport bénéfique pour les gens. Mais aujourd'hui, ils peuvent être un moyen de transport de maladie pour les gens. Le transport béninois commence déjà par sentir quelques effets pervers du coronavirus. En attendant des chiffres officiels, les entreprises qui opèrent dans le secteur continuent de recevoir le choc d'une pandémie qui risque de plomber plusieurs autres activités économiques. Déjà une école de fermée au Bénin suite à l'ampleur de la propagation du coronavirus. Il s'agit de l'école privée Les Moineaux Bleus située à Togoudo dans la commune d'Abomey-Calavi. À l'exception des élèves en classe d'examen, tous les autres apprenants ont été congédiés de l'école pour une période d'environ 2 semaines. Le constat est signé Narcisse Alossin et Derung Pévi. Silence de cathédrale dans la matinée de ce mercredi 18 mars 2020. À l'école primaire privée, Les Moineaux Bleus implantée ici à Togoudo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Tout comme ces tables bancs, les lieux sont orphelins de leurs occupants habituels, congédiés suite aux informations liées au coronavirus. Nous avons des parents qui vont en ville, et qui reviennent à la maison. Ces parents peuvent aller attraper le virus de l'autre côté et venir contaminer les enfants, les amener chez nous. Conséquence, l'école est fermée pour parer à toute éventualité. Mais à cette raison, les responsables de l'établissement ont ajouté bien d'autres relatives aux mesures de prévention prises par le gouvernement. Mais nous avons attendu quand même et le résultat donc du Conseil des ministres extraordinaire qui a eu lieu hier. Et à travers donc les informations, et on nous a dit qu'il faut éviter les attroupements, les regroupements. Et puis, il faut observer une distance d'un mètre l'un de l'autre. Et vu l'exiguïté donc des salles de classe, nous sommes obligés donc de congédier les tout-petits parce qu'ils ont quand même des organismes très fragiles. Vous avez entendu les tout-petits, mais comprenez tous les apprenants, sauf ceux qui sont en classe d'examen. Un programme académique est prévu ici pour ces derniers, non sans les mesures préventives contre le Covid-19. C'est-à-dire prévoir désormais des cache-nez, les gants qu'ils doivent porter, et puis les gels pour le lavage des mains, tout ça là, tout cela est prévu pour ces candidats-là. Donc c'est pour leur permettre quand même d'avoir assez d'espace et de respecter cette distance qu'on a pris cette mesure. Face à la psychose, des précautions pour éviter cette pandémie qui sévit actuellement dans les quatre coins du monde. À ce jour, l'école privée Les Moineaux Bleus est la première à fermer ses portes au Bénin à cause du coronavirus. Et en prenant cette décision, les responsables de ce lieu de savoir créé en 2012 entendent sauver la vie aux 200 âmes qui y viennent quotidiennement. Suite aux grandes décisions du gouvernement béninois pour éviter la propagation du coronavirus, Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, déplore l'absence de mesures préventives concernant le secteur de l'éducation. Le gouvernement doit revoir sa copie, a-t-il souligné dans son interview accordée à l'une de nos équipes. On écoute Anselme Amoussou, secrétaire général de la COSI Bénin. Les mesures annoncées par le gouvernement sont des mesures fortes, c'est vrai. Très importante, mais ce que moi je déplore, c'est que le gouvernement ait pu organiser un conseil des ministres extraordinaire, donc consacré uniquement à la question donc, du coronavirus, et que curieusement le gouvernement n'ait pris et n'ait annoncé aucune mesure spécifique pour l'école béninoise. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les endroits où on peut rapidement transmettre ou attraper le virus,
c'est dans les marchés, c'est dans les grands regroupements, c'est dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Et justement, pour ce qui concerne les écoles, ce sont nos enfants, ce sont vos enfants, c'est l'avenir du pays. Et que par rapport aux usagers de l'école, justement, que le gouvernement n'ait annoncé aucune mesure, c'est ça que nous avons déploré. Et nous estimons que le gouvernement doit absolument revoir sa copie. Parce que beaucoup de pays ont fait des annonces fortes, notamment sur les écoles où on dit que les écoles sont fermées pour 2 ou 3 semaines autour de nous. Même si nous ne voulons pas aller vers cette extrémité, je pense que nous devons quand même tout au moins et annoncer et faire injonction au chef d'établissement de mettre des points d'eau dans les écoles avec de l'eau et du savon pour que les enfants puissent avoir l'obligation de se laver les mains. Qu'on demande au chef d'établissement de regarder dans leur budget et de se doter des gels de désinfectants pour que tout au moins on sente que l'école préoccupe le gouvernement par rapport à la propagation de cette pandémie. Moi, j'irai plus loin. Si j'étais aujourd'hui gouvernement, je demanderais au ministre de tutelle de rapidement prendre leurs responsabilités. Parce que le gouvernement, dans son ensemble, peut ne pas avoir vu, peut ne pas avoir perçu cet aspect que j'évoque. Mais c'est du devoir de nos, tout au moins de nos 2 ou 3 ministres de tutelle de l'éducation de pouvoir rappeler au gouvernement, attention, par rapport aux écoles, nous devons absolument faire quelque chose. Et de ce point de vue, nous sommes très proches des congés de Pâques. Pourquoi le gouvernement n'enverrait pas les enfants en congé anticipé de Pâques? Il y aura 2 avantages. Le premier avantage, c'est que le gouvernement ne décrète pas la fermeture des écoles. Parce que si on ferme les écoles, on ne sait pas pour combien de temps encore. Mais au moins, les écoles seront vides. Et ça permet à nos 2 ministres, à 3 ministres de tutelle, de pouvoir prendre les dispositions qu'il faut en termes d'aménagement de l'espace, en termes d'aménagement des salles de classe, en termes donc de mise en place des dispositifs d'hygiène, de lavage de mains, etc. Et lorsque nous allons reprendre les classes après Pâques, toutes les écoles seraient plus ou moins préparées, tout au moins, pour avoir le minimum. Et donc le minimum qui permet d'avoir des enfants qui ont les mains propres, qui ont le visage propre et qui savent déjà un peu quels sont les réflexes qu'il faut avoir, quels sont les comportements qu'il faut avoir. Donc c'est une mesure que l'on peut prendre, que l'on peut envisager. C'est mon rôle en tant qu'acteur social de pouvoir faire des suggestions au gouvernement. Et votre caméra me permet donc justement d'interpeller nos ministres de tutelle et de leur dire que leur copie doit être absolument revue. Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. Beaucoup attendaient sans doute le gouvernement sur certaines décisions qui ne sont pas venues, notamment la fermeture des frontières, des écoles et des marchés. Pour André Dossard, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, la réserve du chef de l'État sur ces détails a bien un sens. Elle répond tout simplement à la difficulté du Bénin et des Béninois de faire face à des mesures beaucoup plus musclées. On retrouve André Dossard interrogé cet après-midi par Zakiat Latunchi. Actualité coronavirus oblige, un invité maintenant dans ce journal. Je reçois pour vous le rédacteur en chef de la télévision Canal 3, André Dossa. André Dossa, bonjour, merci, d'être merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, vous avez suivi avec moi le communiqué, le conseil également, le point du conseil extraordinaire des ministres hier. On s'attendait que le Bénin prenne des dispositions à l'image d'un certain nombre de pays, comme par exemple la fermeture des frontières, mais nous n'y sommes pas. Tout à fait, Zakiat Latundi. Patrice Talon, effectivement, était attendu sur ce terrain. On a espéré que Patrice Talon ferme, qu'il ferme les écoles, qu'il ferme les marchés, qu'il ferme un certain nombre de choses. Ça n'a pas été le cas. Le gouvernement a plutôt opté pour le confinement et non la fermeture. En témoigne la série de mesures de restriction prises en conseil extraordinaire des ministres de ce mardi 17 mars 2020. Il s'agit entre autres de la mise en quarantaine systématique et obligatoire de tout individu qui foule le sol béninois à travers donc l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Il a été décidé également la suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque, la suspension également de toute manifestation et tout autre événement non essentiel à caractère sportif, culturel, voire religieux, politique et festif. Voilà donc un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour confiner plutôt que de fermer, contrairement à ce que les gens ont pu attendre. Alors, fermeture des églises, des grands
grands mouvements de rassemblement, mais les écoles, par exemple, imaginez, il y a un beau monde qui se retrouve chaque jour à l'école. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi on n'en est pas arrivé à, par exemple, la fermeture des vous écoles? Vous ne semblez pas si bien dit, Zakia de Latondi. Vous avez raison, notamment sur ce point-là, le gouvernement a été fortement attendu, mais le gouvernement pouvait-il vraiment fermer? Si nous fermons nos écoles, Zakia de Latondi, cela voudra dire que nous acceptons d'aller vers une année scolaire invalidée, par exemple. Puisqu'à cette heure-ci, à l'heure où je vous parle, Zakia de Latondi, est-ce que nous savons réellement quand est-ce que cette épidémie de Covid-19 va prendre fin? Nous ne le savons pas. Ici, nous n'avons pas de système de cours de formation à distance comme c'est le cas en Europe où les écoliers peuvent rester à la maison, recevoir les devoirs, les exercices, les cours, puis envoyer, n'est-ce pas, leurs copies pour être corrigées par les enseignants. Nous n'avons pas ce système-là dans notre pays. D'ailleurs, il faut signaler que nous n'avons aucune garantie, Zakia de Latondi, que les enfants resteront confinés à la maison. Combien de parents chez nous ont la capacité de garder, n'est-ce pas, leur progéniture à la maison? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, ne serait-ce que les week-ends ou pendant les congés chez nous, sans oublier aussi les fléaux de grossesse précoce ou le viol ambiant qui a lieu chez nous en ce moment, au vu aussi des associations de défense des violences faites aux femmes. Donc il sera difficile pour le gouvernement responsable de fermer les écoles à l'heure actuelle des choses. Est-ce qu'il est encore utile que je vous rappelle que les garderies pour enfants que nous avons dans notre pays deviennent tout à fait inutiles, puisque à moins de pouvoir peut-être porter les masques aux enfants qu'on envoie dans ces centres de garde. Imaginons qu'on comprenne un peu la mesure par rapport à l'école qui continue normalement qui continue d'ouvrir ses portes, mais les marchés. Imaginez un peu le marché d'Antokba avec le flux de personnes et le flux d'activités au quotidien. Là également, je crois qu'il serait difficile d'envisager une fermeture des marchés. C'est vrai, le marché d'Antokba, par exemple, est un lieu qui grouille de monde. C'est l'un des marchés les plus importants de la sous-région. Mais si nous fermons les marchés, qu'allons-nous manger? Comment allons-nous manger? Combien de personnes ont la capacité aujourd'hui de faire des courses, faire des provisions et pouvoir garder, n'est-ce pas, des aliments pendant plusieurs jours dans leur frigo? Déjà, combien de personnes en ont? Sans les impôts et sans la douane, comment, n'est-ce pas, nos salaires pourront être payés par l'État? Et il ne vous aura sans doute pas échappé, Zakia de Latondi, que nous n'avons pas de planche à billets ici. Notre monnaie est d'ailleurs frappée en Europe. Comment allons-nous commander les produits, les médicaments et autres consommables médicaux, manger et consorts? Je crois qu'au regard de l'ensemble de ces questions, il nous sera vraiment difficile de fermer les marchés. Il faut juste conclure qu'à ce niveau-là également, eh bien, le gouvernement a bien fait de choisir de fermer, de confiner plutôt que de fermer. C'est-à-dire donc que le gouvernement a pris des décisions assez responsables. À la dernière question maintenant, ces décisions du gouvernement, pensez-vous que ça nous met véritablement à l'abri et nous permette de contrôler autant que possible cette épidémie? Vous savez, un peu partout aujourd'hui dans le monde, la tendance est à la prévention. Même les pays touchés essayent de confiner pour limiter la propagation de la maladie. En optant pour le confinement plutôt que pour la fermeture, Patrice Talon a sans doute pris la mesure de la situation, mais en tenant compte de la fragilité de notre économie, en tenant compte de la situation dans notre pays. Parce que quand on va fermer les marchés, on ne pourra même pas s'approvisionner en aliments, en produits de première nécessité, même en des médicaments et consommables médicaux. Si nous fermons les écoles, nous allons avoir du mal à garder les enfants confinés dans nos maisons et les protéger en lieu sûr. Donc le gouvernement a donc choisi de limiter avec efficacité la contagion venant du dehors par le confinement systématique, surtout ceux qui viennent par la voie aérienne à travers donc notre aéroport à Cotonou. Il faut peut-être étendre, n'est-ce pas, aux voies terrestres, notamment à certaines frontières, certains marchés frontaliers de notre pays, ces différentes mesures de restriction. Il faut certes suivre l'évolution de la situation, mais il ne faut pas céder au mimétisme en suivant les sociétés européennes qui sont beaucoup plus préparées à ce genre de situation que nous. Je crois qu'il faut saluer la lucidité, n'est-ce pas, dont a fait preuve le président de la République, qui n'a pas suivi toutes les propositions qui lui ont été faites, mais qui a tenu compte de la réalité du pays pour prendre des décisions acceptables plutôt que des décisions qui pourraient foutre le pays dans une incertitude totale. Zakia de Latondi, nous n'avons pas la
prévention. Nous n'avons que, excusez-moi, la prévention pour nous en sortir. Et Dr Kessile Tchala l'a d'ailleurs dit dans une interview accordée à nos confrères de fraternité et sortie ce jour. Chacun doit être responsable de chacun. La survie, n'est-ce pas, de chacun dépend de lui et de tous. Est-ce que les gens s'imaginent, par exemple, Zakiat Latondji, dans un pays où le chef de famille doit donner la popote en utilisant son économie de la veille, la recette réalisée la veille? Ceux qui, par exemple, vivent du porc, profitent, n'est-ce pas, des entreprises liées au porc, ou encore les petits tâcherons, les gagnent petits, comment pourront-ils s'en sortir dans le cadre d'une fermeture totale de notre pays? Je crois qu'il faut, reconnaître que le gouvernement a pris des décisions responsables. Souhaitons que nous n'ayons pas, nous ne soyons pas obligés de consommer, par exemple, les 1000 chambres d'hôtels réquisitionnées, que nous ne soyons pas amenés à aller au-delà de ces mesures de confinement prises par le gouvernement aujourd'hui. Souhaitons que la propagation de ce virus chez nous s'arrête à ces deux cas confirmés par le ministère de la Santé. Très bien, merci André Dossa pour toutes ces explications. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la télévision Canal 3 Bénin. Redossa, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, appréciant donc les grandes décisions prises par le gouvernement lors du conseil extraordinaire hier mardi. Et dans la même veine, la suspension des activités sportives est effective depuis ce mardi au niveau de la Fédération béninoise de basketball, une opposition qui fait suite donc aux grandes décisions issues du conseil extraordinaire des ministres tenues hier. La rédaction de Canal 3 Bénin analyse à sa manière les implications avec les acteurs concernés. On va suivre maintenant le résumé que nous propose Hakim Essédo Séli. Dans le jargon sportif, on nous dira que le coup de pied dans le malheureux ballon Covid-19 a été donné en Chine. La vitesse n'a pas été quantifiée seulement. Qu'à y jeter un regard, l'ampleur du dégât procède de la puissance du Covid-19. La Chine au départ, l'Italie dénombrera ses premières victimes en Europe. L'Espagne ne sera pas épargnée. La France, le Royaume-Uni, l'épidémie annoncée fait rage et l'Organisation mondiale de la santé s'oblige à la terminologie forte de pandémie. Dans la foulée, l'UEFA suspend ses rencontres des huitièmes de finale retour de la Champions League. L'Euro de 2020 est reporté pour 2021. La FIFA réajuste, la Confédération africaine de football met en veilleuse les rencontres des troisième et quatrième journées des éliminatoires Cannes-Cameroun 2021. Le CHAN ne sera pas du reste. La Confédération africaine de handball ne tiendra pas son rendez-vous d'avril en Alger. Dans cet océan de dispositions annoncées et avec l'apparition du premier cas au Bénin, le conseil extraordinaire des ministres tape du poing sur la table. Le mouvement sportif béninois doit rentrer dans les rangs, ainsi qu'énoncer au point 7, notamment la suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Nous avons suivi le conseil des ministres d'hier, et qui, en toute responsabilité, a souhaité que des mesures très fortes soient prises pour éviter que ce mal-là n'affecte nos milieux. Et donc, nous n'avons eu d'autre choix que nous plier à cette décision. Et donc, le comité, rapidement, ce matin, a introduit un nouveau communiqué pour suspendre systématiquement toutes les compétitions qui sont actuellement en cours. Et même les entraînements, les encadrements sportifs sont totalement suspendus pendant les 15 jours qu'a décrété le gouvernement béninois. Et avant même que l'État béninois ne prenne cette décision, notre instance suprême, qui est FIBA, a déjà pris une décision pour suspendre toutes les compétitions du niveau international. Donc nous inviterons les acteurs pour être en jambes de faire des exercices personnels, de sortir, courir, faire des lancers, mais de se limiter à faire des exercices personnels à eux seuls pour que, lorsque les événements vont reprendre, que cette période de silence ne puisse pas affecter leur performance. À l'image de la Fédération béninoise de basketball qui prend la balle au bon, les annonces et nos sources nous rassurent que la tendance sera unanime. La Fédération béninoise de football en plein championnat ne sera pas du reste. La Vitalor Ligue 1 et Ligue 2, le championnat amateur de Ligue 3 seront mis en parenthèse. Romia de Razoumi, du comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme, était déjà dans l'anticipation parce qu'il a déjà fait reporter le tour cycliste du Bénin. Quid des Jeux olympiques, une réunion de crise en ligne entre les présidents de comités nationaux olympiques est prévue pour cet après-midi. Julien Menavoa, président du comité national olympique et sportif du Bénin, nous tient en haleine jusqu'à la fin des échanges.
Les choses sont donc allées très vite hier dans le rang des membres du gouvernement en ce qui concerne la riposte appropriée face au coronavirus. Les mesures fortes prises par l'État central ont inspiré l'analyse et le commentaire de la rédaction Canal 3 Bénin. Appréciation donc de la rédaction signée Nagui Banabé. L'heure est grave. Officiellement, le Bénin a rejoint la liste déjà très longue des pays touchés par le Covid-19. En seulement 24 heures, deux cas de contamination sont confirmés. Et dès le premier, le gouvernement a engagé la riposte du rappel insistant des réflexes de prévention à la prise des mesures sanitaires appropriées, rien qui ait été occulté. Dans la foulée, un conclave extraordinaire des ministres s'est réuni pour connaître de la situation et agir en conséquence. Il s'est achevé tard dans la nuit et a accouché de nouvelles mesures relativement plus corsées. Ce sont, à la lecture, des décisions qui, sans conteste, prennent en compte la situation dans toute sa gravité. Mesures fortes, certes, mais mesures prises sans exagérer et la tête froide pour peu qu'elles assurent la poursuite de la vie nationale quand bien même elles la réglementent anormalement. En fait, le contexte s'y prête incontestablement. Pour l'heure, les frontières resteront ouvertes, mais seulement pour les traversées indispensables reconnues comme telles et autorisées. De même, les marchés et les écoles pourront poursuivre leurs activités. Par contre, pour toute personne venant au Bénin, par voie aérienne, la mise en quarantaine sera systématique et obligatoire. De même, les missions à l'extérieur pour les membres du gouvernement et les cadres de l'administration seront réduites au cas d'urgence absolue et cette mesure devrait s'étendre aux structures et acteurs du privé. Quant aux manifestations et tous autres événements non essentiels, ils sont purement et simplement suspendus, comme le sont les préparatifs en vue du pèlerinage à la Mecque, conformément aux dispositions prises par les autorités saoudiennes. Voilà autant de dispositions nouvelles jugées nécessaires pour empêcher la propagation du virus et qui appellent des uns et des autres un sursaut patriotique pour hisser le niveau de conscience collective à la hauteur des enjeux. Quoi qu'il en soit, le gouvernement attache du prix au respect strict de l'ensemble de ces nouvelles mesures et des dispositions seront prises de concert avec les forces de défense et de sécurité pour y veiller scrupuleusement. Vu l'ampleur des dégâts que la pandémie du coronavirus cause dans le monde entier et surtout avec son apparition au Bénin, le maire de la ville de Cotonou, Isdon Yolonfou, a adressé mardi dernier un message à l'endroit de ses compatriotes. Dans son adresse, le maire invite au calme et au respect des mesures de prévention que recommandent les autorités sanitaires. Je vous invite donc à suivre le message du maire, un extrait donc du message du maire Isdon Yolonfou. Cotonoises, Cotonois, le monde entier est secoué actuellement par une pandémie, le coronavirus, depuis 2019. Face à l'évolution rapide de ce virus, il revient à chacun et à tous de jouer leur partition. Je vous invite donc à suivre rigoureusement les mesures de prévention recommandé par les autorités sanitaires de notre pays. Il s'agit de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, d'éviter de cracher et de se moucher sur le sol, d'éviter les contacts physiques avec toute personne ayant la fièvre, la toux, et consulter un médecin en cas de difficulté respiratoire. Éviter tout contact direct non protégé avec les animaux. Le conseil municipal et moi, nous nous employons à mettre en œuvre diverses dispositions à travers le renforcement du lavage des mains à l'eau et au savon dans les écoles maternelles et primaires, l'organisation des séances de sensibilisation dans les marchés secondaires, les collèges d'enseignement général, ainsi que les séances de sensibilisation au profit des élus locaux, afin de compléter le dispositif de prévention mis en place par le gouvernement. Une fois de plus, j'invite les populations à faire preuve de responsabilité en suivant strictement toutes les mesures d'hygiène ci-dessus recommandées. J'invite pour finir les uns et les autres au calme, à la patience
et à faire confiance aux autorités sanitaires de notre pays qui mettent tout en œuvre pour une gestion efficace de cette pandémie. Se protéger, c'est protéger aussi les autres. Voilà, Journée internationale des droits de la femme, on en parle encore. À Kovel, l'événement a mobilisé autour des responsables de plan international Bénin, l'agente féminine de la localité, autorités politico-administratives et autres. Les festivités ont aussi été un cadre de partage avec l'opinion publique sur la situation de la femme et de la fille au Bénin. Plusieurs activités ont également meublé les manifestations. Le point avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Édition 2020 de la Journée internationale de la femme, plan international Bénin, a donné l'occasion aux femmes de Kovel de se faire entendre. À travers une caravane, elles ont sillonné les artères de la ville avant de rallier le lieu réservé pour diverses autres activités. Je voudrais vous accueillir un de ces jours dans mon cabinet. Nous allons nous entendre sur l'essentiel que l'autorité va vous apporter pour faire l'honneur à la femme. Moment de partage avec l'opinion publique sur la situation de la femme et de la fille au Bénin. La manifestation de Kovel a également été le cadre de faire un bilan des activités menées par l'Organisation pour l'épanouissement de la gente féminine. Plusieurs communications ont aussi été développées sur l'hygiène et la santé. Le plan se positionne comme un acteur principal dans la promotion des droits des femmes et l'égalité pour les filles de manière spécifique et de l'égalité genre en général, tout en restant fidèle à ses valeurs originelles et garde la même fermeté dans son engagement à œuvrer pour le bonheur de tous les enfants du monde. Pour les différentes autorités présentes, la célébration de la Journée internationale de la femme cette année sonne une mobilisation de tous pour le respect des droits de la femme. Et à cet effet, ils ont promis de jouer pleinement leur partition pour l'atteinte de l'objectif de l'effectivité de l'égalité du genre dans le monde en général et au Bénin en particulier. Je voudrais donc vous rassurer de ma disponibilité permanente à renforcer les efforts de synergie entre les acteurs du développement pour vaincre le virus des inégalités entre hommes et femmes dans notre département. Démarré par une séance de dépistage gratuite de l'hypertension artérielle et du diabète, la commémoration de la Journée internationale de la femme à Kovel s'est achevée sur une note d'engagement à œuvrer pour le mieux-être de ces dernières. Les regards sont déjà tournés vers l'année prochaine où on espère une avancée dans la concrétisation des défis. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que face à l'intrusion du coronavirus au Bénin, des Béninois s'interrogent au sujet du topa qui n'a pas prédit, selon eux, cette pandémie au Bénin cette année. Le chapelet divinatoire serait-il passé à côté de la pandémie qui aujourd'hui n'épargne guère la terre des Rouébadia, Béanzin, Biogara, Kaba et consorts? Eh bien, le responsable de l'association Bénin Tofa n'est pas resté silencieux face à cette interrogation. David Kopi Hazard répond que cela n'a pas tout échappé à l'oracle. Il répond aux questions de Herman Anyambosu que vous allez retrouver tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de 90 minutes au Bénin. Allez, portez-vous bien.